Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette cérémonie d'ouverture du Festival Corsica Party 2023. C'est un véritable plaisir de vous accueillir et regardez, c'est une nouveauté ici en plein cœur de Bastia pour la première fois. Tapis rouge et montée des marches devant le buste de Pascal Paoli. Bien évidemment, c'était pour nous extrêmement important puisque c'est le cœur du Festival Corsica Party, mettre en avant la Corse, ses atouts, ses valeurs, sa langue, sa culture, ses artistes, ses sportifs. Bien évidemment, le festival, c'est ça, durant 3 jours ici à Bastia. Et nos invités qui commencent d'ailleurs à arriver pour monter les marches, bien évidemment avec monsieur Bernard Mosca, le président du festival Corsica Party, accompagné de notre parrain Michel Mallory. C'est un véritable honneur pour nous de l'avoir cette année comme parrain. On le remercie encore énormément. Et une voix mythique, c'est un invité exceptionnel qui est avec nous d'ailleurs ce soir, monsieur Richard Darbois. C'est l'une des voix dans le doublage les plus connues de France. Vous le connaissez bien évidemment, eh bien, il est là avec nous ici ce soir. Beaucoup, beaucoup d'artistes qui vont d'ailleurs arriver aussi derrière pour monter les marches. Le groupe EPO qui est représenté ici ce soir, Jean-Charles Pape et Guillaume Levan, un jeune Corse qui vient de se lancer. Et voilà la montée des marches officielle ici qui se passe au cœur de Bastia. C'est incroyable et merci beaucoup et quelle émotion. Bonsoir Richard, comment ça va? Ça va bien, je suis avec mon petit ranger de l'espace et je vous dis vers l'infini et au-delà. Merci beaucoup Richard, Michel Mallory également, c'est un véritable honneur, sachez-le, de vous avoir avec nous ici ce soir. Comment ça va? Ça va très bien, je suis extrêmement heureux et touché d'être le parrain de ce festival. Il va être obligé de s'aiguiller. Bernard, ça y est, c'est le lancement officiel du Festival Corsica Party 2023. Je vous laisse naturellement la parole pour le lancer officiellement ici ce soir à Bastia. Mais avant de le lancer, je voulais dire combien je suis satisfait déjà d'être ici ce soir, ici, devant la figure illustre de la Corse, Pasquale Paoli, qui est le parrain de la patrie, le parrain de la manifestation, c'est Michel Mallory, mais au bas bout d'abattre, Dielo. Donc, beaucoup de symbolique sur notre festival qui veut faire parler de la Corse et qui fait qu'il faut laisser passer les gens là-bas. Il faut laisser passer les gens. Donc, voilà. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors. Oh, Diago Siga parti, Stazer, Aguirre. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Cabis comique. Merci. Merci, Oyate. Ibignotti! Merci, Oyate. Je suis gêné. Bon, écoutez, vous êtes en train d'arriver. Ben oui, voilà. Michel Mallory, Richard Darbois. Eh ben voilà ce que c'est qu'une ouverture de festival avec le sourire, avec l'émotion, avec la passion. Simon Denoy, Simon Bastille, Simon Corsica. Simon Denoy. Je vous laisse avec le maître de cérémonie. Je vous demande d'applaudir mon ami que j'ai la chance d'avoir à mes côtés tous les jours. Brice! Merci beaucoup Bernard. Et oui, ça y est, c'est officiellement le lancement du Festival Corsica Party 2023 sur les marches. On va inviter d'ailleurs dans un instant nos premiers invités à regagner eh bien, le cinéma Le Régent pour assister à une très très grosse et belle programmation ce soir. Et on va inviter maintenant eh bien, nos nombreux invités à monter les marches pour rejoindre le cinéma dans un instant où il va y avoir d'ailleurs plusieurs présentations puisque vous l'avez compris, le but ce soir c'est de mettre en avant une action qui met en avant la Corse.
Et cette année, nous avons choisi de mettre, eh bien, au devant de la scène, le doublage insulaire. Le doublage corse, c'est rien de mieux que Terminator 2 doublé intégralement en langue corse grâce à l'association Fioramos qui est avec nous d'ailleurs ce soir. Et je pense qu'ils sont dans les parages, l'association Fioramos que je vais inviter d'ailleurs à me rejoindre et à monter les marches ici ce soir avec nous, avec notamment Sylvain Gianecchini qui arrive accompagné de toute son équipe. On peut les applaudir bien fort, mesdames, messieurs. Ils sont avec nous ici ce soir également, de nombreux artistes représentés. Diana Dillal qui monte les marches ici. Alors Sylvain, on va faire quand même un petit mot bien sûr devant la caméra naturellement, puisque tu as l'habitude maintenant de poser ta voix. Et là ce soir tu la poses de manière un petit peu différente, j'ai envie de dire. Alors le film Terminator 2, pour expliquer un petit peu, est déjà sorti. Ce soir c'est une manière de le remettre en avant bien évidemment, et de surtout appuyer sur ce nouveau, j'ai envie de dire, cette nouvelle activité que tu as réussi à développer ici en Corse et qui est exceptionnelle. Beaucoup de films qui arrivent encore et de projets. Exactement. Bon, déjà, merci beaucoup d'être présent et de partager ce moment avec nous. Fioramos, bon, c'est une longue histoire. Créée en 2010, on a pour but donc le doublage de films en langue corse. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de pouvoir présenter Terminator, puisqu'on n'avait pas pu le faire parce qu'on était tombé en pleine période de Covid. Du coup, c'est une immense joie et un immense plaisir, surtout pour l'ensemble des comédiens. Je veux remercier déjà tous les comédiens, mais aussi les personnes qui sont au quotidien à nos côtés avec l'association, Pedro, Jean-Yves, bien entendu. Et j'espère que tout le monde prendra du plaisir à regarder ce film en langue corse, parce que le but de l'association, c'est aussi de faire entrer le corse dans les maisons de manière naturelle. Et c'est pour ça que l'on est là, et c'est pour ça que l'on veut continuer à développer cette activité de doublage en langue corse. Merci beaucoup Sylvain, et on se retrouve bien sûr dans un instant à l'intérieur. Bon, on est dans l'émotion de l'ouverture. Je vais demander à Mathéa Lacave et à Linda Piper de venir nous rejoindre, qui nous ont fait la gentillesse avec la ville de Bastia, de Città di Bastia, de soutenir au festival Iagursiga Party, de venir avec nous pour qu'on puisse, avec vous, faire cette ouverture grâce à vous, parce que la ville a beaucoup contribué, et vous présenter l'ensemble des acteurs. Un désordre. Oh, bah, Pierre, ben aiguille. Oh, Guillaume. Allez, John, Ayadiam Abidouti. Allez, il y en a qui sont venus même. On va les présenter. Et après, on a des petites vedettes qui sont là, qui vont monter, qui vont venir nous rejoindre. Venez ici, c'est tout le festival. Il y a le groupe Epoch qui est avec nous et qui nous fait la gentillesse d'être là. Brice, je te laisse présenter en détail. Ah, tu as le micro, voilà. Oh. Naturellement. Donc, voilà, ce soir, c'est la soirée d'ouverture. Ce soir, c'est le festival d'Agursiga. Agursiga Party qui commence. Vous nous faites la gentillesse et l'amitié d'être tous là. On vous remercie encore. Et je vais demander à Linda et Mathéa de nous dire... Mathéa, pardon. Excusez-moi. Et à Mathéa, toutes les deux, de nous déclarer ce festival ouvert. On le fait ensemble ? Si vous voulez bien. Alors, nous déclarons le festival Corsica Party ouvert. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je laisse la parole à Brice. Présente encore tout le monde, s'il le faut, si on a oublié quelqu'un. Amagula, peine à ouvrir ce cousine. Effectivement, de nombreuses personnes qui sont présentes ici ce soir. Et d'ailleurs, toutes les personnes présentes, vous allez les retrouver durant ces deux jours, puisque les énormes concerts Place Saint-Nicolas vont démarrer à partir de demain, avec vendredi à Bodge et à Gursiga Party, parrainé par Chéri FM Corse. Toutes les plus belles voix de Corse seront présentes. Également l'artiste national Marina Kay, qui nous fera l'honneur d'être avec nous à partir de demain, et également samedi avec la NRJ Corsica Party, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de stars attendues également. Et donc là, c'est une grande partie des personnes qui seront présentes d'ailleurs sur la soirée de vendredi à Bodge et à Gursiga Party, notamment avec Guillaume Lévy, un jeune artiste corse qui vient de se lancer en solo, et il va bien sûr nous faire découvrir tout ça d'ici peu. Regardez, ça y est, c'est officiellement
la montée des marches, puisqu'ils vont rejoindre le cinéma Le Régent pour assister à cette cérémonie d'ouverture où, comme je vous le disais tout à l'heure, cette année nous avons choisi de mettre en avant le doublage corse, le doublage insulaire, et donc ils vont assister au film Terminator 2. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y aura également des courts-métrages qui vont être présentés. On a du très très beau monde ce soir, et vous le savez, et j'ai le plaisir de pouvoir accueillir à mes côtés cette année la représentante beauté de la Corse, mesdames, messieurs, Miss Corse 2022, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Miss Corse qui monte donc le tapis rouge ici à Bastia avec une robe incroyable, magnifique. Alors, ouais, moi j'aurais plutôt tendance à dire je vais monter encore sur une marche au-dessus. Voilà, parfait, très bien, c'est mieux. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bon alors, monter des marches à Cannes, c'est une chose. Monter des marches chez toi ici en Corse, c'est beaucoup mieux. On est d'accord, c'est beaucoup mieux. Content d'être là. Le voyage n'a pas été trop long parce que tu nous viens, je vous le rappelle, d'Ajaccio. Tout s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. Je suis toujours ravie de monter sur Bastia, surtout pour des beaux projets comme celui-ci. Miss Corse, qu'on va naturellement retrouver également durant nos deux soirées. Demain soir, vendredi à Bojedi à Corsica Party et samedi sur la place Saint-Nicolas avec la NRJ Corsica Party 2023. Merci beaucoup et on vous laisse rejoindre le cinéma Le Régent pour assister donc à ces nombreuses surprises. Très bien. Est-ce que ça va toujours ce soir, Bastia ? On a également des artistes qui nous viennent naturels. Ils sont juste là. Et oui, je les appelle. Et d'ailleurs, je vais appeler leur représentante là à mes côtés. J'aimerais qu'elle me rejoigne justement. Vic, où c'est qu'elle est ? Vic ? Allez. Mesdames, messieurs, on peut l'applaudir bien fort. Alors Vic, tu nous as ramené, je crois, du beau monde. J'ai ramené du beau monde, ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques petits mots sur ces personnes qui vont nous rejoindre dans un instant ? Rapidement, rapidement. Quelques mots. Il y a Philippine, Sola et Johan Casanova. Exactement, ça te met en valeur et c'est ça qu'on veut nous aussi. Philippine, Sola, Johan Casanova, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. S'il vous plaît. Nos artistes d'ailleurs qu'on va retrouver samedi soir pour la NRJ Corsica Party 2023. Brice. Johan, oui. Viens un peu à côté de nous. Bien évidemment, allez-y, montez, je vous en prie. Voilà. Vas-y, accueille comme tu sais le faire, tout le monde. Alors, je vais me tourner vers Johan. Johan, qu'est-ce que ça fait de faire une petite montée des marches tapis rouge ici à Bastia ? Bah écoutez, franchement, je trouve ça vraiment fort sympathique d'avoir fait ce concept-là, ici chez nous, à la maison. Donc félicitations pour l'organisation, félicitations pour tout ce que vous entreprenez en ce moment chez NRJ, et puis que ça continue à se développer et d'aller de plus en plus le festival là, qui arrive dans les prochains jours. Merci beaucoup. Alors Philippine, d'ailleurs, petit problème d'avion, mais ça y est, c'est réglé. On est arrivé rapidement. Alors, j'ai envie de dire, tu es un petit peu une habituée hein, maintenant de la maison, puisque ça va être ta deuxième prestation sur la scène samedi soir de la NRJ Corsica Party. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, surtout avec pas mal de nouveautés cette année encore. C'est vrai, il y a la suite qui arrive et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir sur scène et de vous voir, de te voir, de voir Bernard aussi. J'arrive pas à parler. Et en plus, on est bien accompagné d'artistes merveilleux, donc c'est trop cool. Et merci pour l'organisation, c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Philippine, j'en profite pour te faire la bise quand même. J'ai pas encore eu le temps. Écoutez, montez, vous installez, on va vous rejoindre, on va continuer à accueillir nos amis. Il y en a qui viennent du bout du monde, puisqu'on a notre ami Franck qui fait semblant de ne pas savoir, qui vient de Miami et qui vient nous rejoindre. Viens avec nous, Franck, qui est à côté de toi. Allez, après, on va demander à. Qui on voit pas derrière le truc là. Alors lui, figurez-vous qu'il est là pour le festival Corsica Party tous les ans. Et il nous amène des artistes du monde entier et surtout des États-Unis. Et il va nous dire un peu de mots sur notre festival peut-être et sur sa présence ici et ses artistes. Ben, c'est l'événement ici que je ne peux pas manquer. Et comme je crois que maintenant ça fait 15 ans moi, que je viens. Et je suis, ouais, même plus, on ne compte plus les années, on vieillit, mais on ne veut pas le dire, alors on ne compte pas les années. Mais de soutenir Bernard et puis d'être ici chez moi en Corse, je suis tellement content. Et voilà, et apporter des artistes internationaux sur cette belle scène sur la place Saint-Nicolas, ça fait plaisir chaque année. Voilà. Et encore merci Bernard et merci à tous les organisateurs. Alors, et bien sûr Brice,
Alors, que je trouve meilleur d'année en année. Et alors, je vais en profiter. Je me tourne à gauche. Vous êtes tous là, les petits bleus, là ? On vous a pas entendu. Vous êtes sûr ? Bon, nous avons la chance. Tous, vous êtes tous là. Je m'attendais à... Il manque personne, ou les Tchouki ? Allez, faut dire à Tchouki qu'il rameute les troupes. Si, si. Et on va, parce qu'il est tard, faut que on va bientôt rentrer. On va vous demander, Tchouki, il y a tout le monde là ? Tchouki ! Allez, fais monter tes ouailles, on applaudit l'Académie du Sporting qui va venir voir ce film en langue corse, Terminator 2, l'Ultima Sentence, et bien sûr, les différents artistes que nous allons vous présenter ce soir. Allez, montez, allez. Venez là, vous vous mettez devant nous, comme ça on fait une photo de famille. Allez, on va se tourner vers en bas, et comme ça on va faire une petite photo de famille. Allez, un peu à droite. Allez. Vous savez ce que vous faites ? Il y en a qui se mettent, qui descendent de les marches, comme ça on voit tout le monde. Allez, devant les bleus là-bas, écartez vers la droite. Écartez un peu là, allez. Les grands, restez derrière, les petits devant, allez. Allez. Allez, à droite. Allez, donc on va aller sur le côté. Tchouki, viens là. Tchouki, allez, venez. Tchouki, viens là, viens que nous. Brice, viens ici. Voilà, on a les enfants qui sont là, Tchouki il est là, mettez-vous tous, on voit tout le monde. Brice, où tu es à droite? Je suis là Bernard, juste là. Tchouki, le Sporting, tu connais un peu? Un petit peu, ouais. Combien d'années? Et un peu plus de 20 ans. Voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu de tous ces jeunes gens? Bah, s'ils sont là, c'est que c'est déjà bien. Et après, voilà, on est très content d'être là. On représente le Sporting Club de Bastia et là, il y a nos enfants. Alors, je vais te demander de faire venir avec nous, parce que là, je les vois, ils font les timides. Il y a la rédaction sportive d'Énergie Corse, tu sais qui est là. On va demander à Patrick, à Patrice, de nous rejoindre avec Jean-Baptiste. Où est-il, Jean-Baptiste? Voilà. On va leur demander de venir nous rejoindre et de se mettre peut-être de l'autre côté. Patrick, il faut qu'il vienne à côté de moi. Voilà. Et je vous demandais d'accueillir toute cette vague bleue et de leur faire une petite ovation. Merci beaucoup. À toi, Brice. Et d'autres artistes d'ailleurs qui sont encore avec nous. Allez, ici ce soir, qui seront on là monte. Pour la soirée de demain pour Abodj et Diago Siga Parti. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Clément Albertini, accompagné de Julie et Arnaud, qui ont participé d'ailleurs cette année à la célèbre émission The Voice. Mon ami, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Alors, la musique, bien évidemment, toujours une passion. Et d'ailleurs, tu continues dans de très très beaux projets, puisqu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu es passé maintenant sur le fauteuil, puisque c'est toi qui coach et qui donne quand même les cours. Alors oui, bon, sur les fauteuils, on n'en est pas encore là. Ouais, y a quelques fauteuils là-bas quand même. Non, mais exactement. On coach en ce moment à Sparty Musica et c'est un réel plaisir de transmettre, donc on se régale. D'ailleurs, je le dis là ce soir officiellement, comme ça c'est dans la caméra, ça sera une certitude. On veut être partenaire avec vous. On sait qu'il y a un super bel événement qui arrive d'ailleurs sur la place du marché, juste après nous. Donc si on peut vous aider, être là et vous soutenir, ce sera avec un énorme plaisir, sache-le. Eh ben, c'est signé, c'est bon, la collaboration est signée. Allez, c'est fait, voilà, très bien. Merci beaucoup Clément, qui va pouvoir regagner eh bien, le cinéma Le Régent. Julie et Arnaud, jeunes chanteurs, vous avez fait d'ailleurs une école de musique sur Annecy, sur Nancy, pardon, excusez-moi. Et donc maintenant, ça y est, c'est un petit peu la concrétisation, puisque demain, vous allez vous produire sur la scène d'Abodj et Diago, samedi, sur la scène d'Abodj et Diago Siga Parti. Oui, c'est comme un rêve de gosse qui se réalise. Moi, je me rappelle d'être toujours allée en admirant tous les artistes qui sont passés depuis des années maintenant. Et c'est un réel bonheur d'y chanter samedi soir. Et on va chanter notre premier single. Donc, on est très contents, on est très fiers et on espère que ça va plaire. Alors, je sais que de ce que j'ai compris, il y a le timide du groupe. Mais là, il va falloir quand même prendre son mal en patience. Heureux d'être avec nous? Ah oui, très heureux. Alors effectivement, ça, voilà, vous voyez, ça c'est des réponses courtes, mais efficaces, c'est ce qu'on aime. Alors l'aventure The Voice, qui vient d'ailleurs de se passer il y a quelques temps maintenant, et finalement c'est un petit peu une suite logique, j'ai envie de dire, puisque maintenant vous allez commencer à vous produire petit à petit avec cette expérience que vous avez réussi à acquérir.
Oui, alors ça fait depuis l'an dernier qu'on travaille ensemble et ça se passe très très bien et on continue à écrire des chansons, à prendre du plaisir et c'est que du bonheur. Alors c'est sûr que oui, c'est une certaine de suite logique. Grâce à The Voice, on arrive à participer à des événements tels que les Energy Corsica Party. Et donc on est très content que voilà, on va dire que le chemin suit son cours et aujourd'hui, même si on vit d'animation, on espère un jour vivre de nos compositions et si ce genre d'événement peut nous le permettre, on est ravis. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup et je vous en prie, regagnez vous aussi le cinéma Le Régent pour assister Maurice, à cette cérémonie. Tu sais qu'on a beaucoup de punch sur Agorsiga Party. Toujours. C'est pour ça que je fais la liaison immédiate, je vais leur demander de venir te rejoindre. Hein. Mesdames, messieurs, on peut les applaudir très 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 fort. Ils sont les organisateurs de la nuit du kick qui a eu lieu d'ailleurs la semaine dernière et on peut le dire, ça a frappé très fort. Comment ça va ? Ça va, on s'est remis du gala, donc tout va bien maintenant. Bon. Et on prépare la prochaine édition déjà. Allez, très bien, on a déjà une date ou pas ? Non, on hésite encore un peu, mais on voit à peu près dans quelle saison ou quel moment le faire. Très bien, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ici ce soir pour cette montée des marches, puisque c'est ça aussi le festival Corsica Party, comme on le dit à chaque fois, c'est de mettre en avant, bien évidemment, nos artistes de la chanson corse et également du monde, mais aussi nos sportifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, pour les représenter. Oui, bien sûr. Déjà, je voudrais remercier Bernard et Brice pour le partenariat que vous avez fait pour le gala. Et merci de nous avoir invités. C'est une très belle organisation et le tapis rouge, c'est une belle innovation pour la ville de Bastia. Allez, on va laisser la famille Paul rejoindre le cinéma Le Régent. Mais avant tout, merci d'être là. Je vois une petite personne là-haut qui se cache. Je lui demanderai de venir ici de suite. Il y en a deux. Fioramos, Le Régent. J'aimerais que tu viennes ici avec nous. Voilà. Parce que le cinéma, Le Régent, et en même temps, on va faire venir toutes les personnes qui vont convenir avec notre auditrice fétiche, Angèle, qui va venir avec nous, avec sa fille. Il y a la famille qui est là. Il y a des amis qui sont là. On va leur demander de venir derrière nous. Venez. Et on va en profiter pour laisser le dernier mot à Monsieur Beneditine, qui nous a accueillis ici ce soir chez lui, pour qu'on puisse rejoindre et projeter enfin cette soirée d'ouverture. C'est un honneur pour moi d'accueillir la Corsica Party et l'ouverture. Je suis content de ce qu'a fait Bernard et ce qu'a fait Brice. Et je sais qu'on va passer une très bonne soirée. J'ai eu la chance d'avoir déjà vu Terminator Looting the Sustains, qui est une merveille. Voilà. Je vais redonner le micro à Bernard et j'espère que peut-être des personnes vont pouvoir rentrer s'il reste des places. Voilà. Fioramos, association qui fait du doublage, qui valorise notre langue, qui est avec nous, Monsieur Beneditine, le cinéma Le Régent, sans qui on ne pourrait pas faire cette soirée d'ouverture. On vous dit encore merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Pas mal de médias sont là et qui nous soutiennent. Maintenant, merci Brice, merci Daniel, Osilio, Amaguardas Tuvimo, Esta Zerad. Allez, Kulem, que si Muridard. Allez, buona sera a tutti e a Brossio. Merci.